シマのオフィスへようこそ。Bonjour, je m'appelle Jean-Yves Blangot, on me surnomme le Runman. J'ai inventé un sport qui est le buggy rolling. C'est une armure avec des roulettes. Et donc on a des roulettes sur les bras, sur le ventre, sur le dos, sur les jambes, et on peut rouler dans toutes les positions. J'ai eu l'idée du buggy rolling à l'âge de 24 ans. J'étais à l'école à Paris. J'ai fait une école de design et j'ai étudié les sensations d'équilibre du corps humain. J'ai trouvé qu'il était possible de rouler dans toutes les positions. C'était un projet de design où l'objectif était d'amener quelque chose dans la réalité qui n'existait pas encore avant. J'étudiais les sensations d'équilibre du corps humain. Un peu d'histoire du design. Je suis allé rencontrer des artistes, des sportifs pour savoir comment ils utilisaient leur corps humain. J'ai fait un peu de sociologie, la sociologie du corps humain, comportement à risque des adolescents. À la fin de cette recherche, j'ai fait du dessin. J'ai essayé de voir comment je pouvais utiliser les ressorts, les roues, les élastiques. Et j'ai vu qu'il était possible de rouler dans toutes les positions. J'ai regardé comment est-ce qu'on pouvait mettre des roues sur le corps humain. Où est-ce qu'on pouvait les fixer? Comment est-ce que ça peut s'adapter à différents corps humains, si c'est des grands ou des petits, pour que ça puisse passer d'une personne à l'autre? Et puis pour que le guidage des roues soit précis, pour qu'on puisse aller vite avec une roulette, avec une armure. Ça a commencé par du dessin. D'abord, j'ai fait des petits dessins pour voir comment l'armure allait être. Et ensuite, j'ai fait des dessins à l'échelle 1. Qui permettent de se confronter directement avec l'armure. Ensuite, j'ai fait des moules. Ensuite, j'ai moulé sur les moules, j'ai sorti les pièces. Et pièce par pièce, pièce de plastique par pièce de plastique, pièce de métal par pièce de métal, j'ai assemblé. Et comme ça, j'ai pu construire une armure. La première armure, c'est l'armure rose, qui était juste un prototype qui permettait de montrer qu'il était possible de rouler dans toutes les positions. Ensuite, il y a eu une armure carbone, qui permettait de montrer que c'était possible d'avoir une armure précise et une armure qui soit confortable. Et ensuite, dans les années 2000, j'ai commencé une pré-série. En fait, toutes les pièces sont dessinées. Toutes les pièces, à chaque pièce, il y a un petit dessin avec les dimensions, les cotes et le moyen de fabriquer. Alors maintenant, j'ai un gros dossier comme ça, qui présente chaque pièce avec la référence, avec le type de matériau. Et c'est comme ça que je peux reproduire les armures. Oui, j'ai peur, et je crois que c'est normal d'avoir peur, et c'est aussi ce qui permet de rester en vie. Si on n'avait pas peur, on prendrait trop de risques, et on aurait plus d'accidents, et on se tuerait beaucoup plus vite. Et comme je n'aime pas me faire mal, avant de faire une descente, je regarde la route, je l'apprends, j'apprends tous les virages, toutes les intersections, je regarde la configuration de la route d'abord. Il faut qu'elle soit suffisamment large pour que les voitures puissent se croiser. Donc moi, je reste de mon côté et les véhicules vont de l'autre côté. En fait, je suis comme un véhicule sur une route normale. Je tiens à mon côté. En France, on roule à droite. Au Japon, on roule à gauche. Ben, ici, je routerai à droite et au Japon, à gauche. Et je peux freiner aussi bien qu'un autre véhicule. Bon. La peur permet d'anticiper les risques et donc d'essayer de les calculer et de les annuler le plus possible. Si je sais que je vais avoir un virage qui tourne beaucoup, qui ferme beaucoup, je vais prévoir une distance de freinage. Alors la distance de freinage minimum, je vais la multiplier par 2 au cas où j'ai un problème. Comme ça, j'ai encore de la distance pour changer de position, prévoir ce qui peut se passer. En fait, dans toutes les situations difficiles, il y a toujours moyen de s'en sortir. J'appelle ça les séquences d'urgence. C'est-à-dire qu'il faut apprendre des gestes qui sont des gestes réflexes qui permettent, par exemple, en cas d'impact, de préparer le corps humain afin que le corps puisse avoir un impact qui lui est moins dommageable. Maintenant, il faut surmonter la peur. En fait, le courage, c'est pas d'avoir peur ou de ne pas avoir peur, c'est pouvoir faire avec. Donc on apprend à faire avec, on apprend à gérer tout ça. La peur ne doit pas être une barrière, mais juste un obstacle à surmonter. Quand
quand on met une armure, on se transforme, on devient un robot, on devient comme un cyborg. Et c'est pour ça que j'aime bien le mouvement cyberpunk des mangas japonais, autant en manga qu'en animation, parce qu'ils ont exploré toute la psychologie, la profondeur des personnages qui sont entre humains et robots. Avec une armure Woody Rollin, on peut faire l'expérience d'être un robot, donc d'être un cyborg, ici, maintenant. D'abord, c'est pas la peine d'aller très vite pour avoir des grosses sensations. Rien que d'être à 5 cm du sol, on a le nez très près du sol, et avec le champ visuel très ouvert, comme ça, on a une énorme sensation de vitesse. Donc très doucement, on a l'impression que ça va très vite. Ensuite, il y a des paliers comme ça, il y a des marches successives. En-dessus de 50 km/h, la route devient toute grise et les bords de la route se rapprochent. Elle se ratrécit. En-dessus de 80 km/h, la route devient plus qu'un couloir et on essaye de rester dessus. Ça ne devient plus qu'un point d'horizon qu'il faut viser. En-dessus de 90 km/h, les roulettes commencent à vibrer, à changer de bruit. À ce moment-là, c'est très impressionnant. C'est comme un avion qui vibre quand il va trop vite. Les sensations, souvent, pour la descente en montagne, ce sont des sensations de vol. J'ai l'impression de voler au ras du sol, d'être comme en jet, voler en rase-motte dans les montagnes. Sans rouler, juste quand on met l'armure, on se transforme. On donne à l'humain une nouvelle capacité, la capacité de rouler, il devient plus grand, on est plus impressionnant parce qu'on a des protections, on a un casque, notre identité n'est plus la même, on n'a plus le même visage. Et on se transforme en plus qu'humain, en surhumain, en superhuman. On devient un peu un super-héros, à part que là, on ne va pas sauver des vies, on ne va pas faire des choses extraordinaires. On va juste pouvoir rouler très vite, rouler dans toutes les positions, utiliser les murs, utiliser le sol, le plafond, mettre le dos contre les murs, les bras. On va donc relire un espace et se créer un nouveau monde dans lequel on peut rouler. Ici, maintenant, et non pas dans un avenir, on peut avoir l'expérience, les sensations que pourrait avoir un cyborg ou un androïde dans les films de science-fiction et dans les mangas, comme on avait ici. En armure, on s'élance debout et après on se jette à plat ventre. Les sensations passent par les bras, remontent ici, remontent dans l'épaule et après elles sont lues dans l'épaule. Ensuite, elles passent dans le dos. Chaque sensation, chaque muscle qui est activé, on peut décider de mettre plus de pression, plus de force ou pas. On peut jouer sur les directions, les pressions, les niveaux d'adhérence et de glisse. Les informations passent dans le cerveau et le cerveau décide de ce qui est à faire. Plus on va vite, plus on a de sensations et plus il faut gérer les sensations dans le cerveau. Donc c'est comme un ordinateur, il faut qu'il gère beaucoup de données, donc il faut qu'il calcule beaucoup. Ça fait une espèce de feu d'artifice dans la tête, une espèce d'explosion de sensations. Et ça, c'est quelque chose d'absolument spécial. La quantité d'informations qui arrivent dans le cerveau, à très grande vitesse, ouvre des portes de déformation temporelle. Et le temps, le présent, prend de la densité. C'est comme si on se compressait dans le maintenant. On devient de plus en plus maintenant. Dans la piste de Bob, on est dans un couloir qui est très étroit, et qui va très vite, pouf, on bascule, on a le ciel qui est ici, qui devient comme ça, et ici on a la montagne avec les gens qui passent comme ça, et les arbres, la trajectoire, elle devient en haut là-haut, et on est plaqué contre le mur. La pression ajoutée à la vitesse, comme on peut voir maintenant, ça fait qu'on est un peu comme si on était massé, et comme si on rentrait encore plus fortement dans l'armure. Donc c'est très impressionnant. Je pense que la piste de Bob, c'est la chose la plus forte que l'on puisse faire en armure. C'est vraiment très très fort. Vu qu'on se transforme et qu'on a une nouvelle identité, c'est aussi un personnage. Encore une fois, comme un personnage de manga. C'est-à-dire qu'il faut que j'écrive des histoires qu'on puisse adapter en bande dessinée, en jeu vidéo et en manga. Dans le projet du Buggerlin, en histoire et en manga, c'est aussi pouvoir faire partager des sensations à ceux qui ne savent pas faire de patins roulettes, qui auront des difficultés à se déplacer, ou bien simplement quand il fait trop froid dehors,
Au lieu de sortir en armure, eh ben, on allume son ordinateur et on peut jouer avec. J'aimerais arriver à produire les armures en série pour les vendre, afin que les gens puissent aussi s'entraîner et s'amuser et s'éclater avec cette chose. Parce que c'est vraiment quelque chose de très très spécial. Il n'y a aucun sport au monde qui permette d'obtenir ce type de sensation sur les surfaces dures. You have to draw the line on the floor to see where your wheels are going. And make it logical. And stop. Dans la pratique de buggy rolling, on garde un corps équilibré et sain et en forme. Puisque pour faire de l'armure, on a besoin de tout. On a besoin d'une tête bien remplie et qui fonctionne bien, et d'un corps bien équilibré pour maîtriser ses mouvements. Alors dans l'avenir, j'aimerais faire plus de films. Le buggy rolling peut être une interface entre le monde des robots dans la science-fiction et le monde des humains. Quand on enfile une armure, on comprend mieux comment on vit et ce que pense un robot. Dans les films de science-fiction, il est nécessaire d'inclure du buggy rolling dans les loisirs des personnages principaux. Et bien ici, on se trouve dans mon atelier. C'est là où maintenant je prépare mes futurs prototypes. Donc là-bas, on a quelques outils. On a le stock, par ici. Et ici, on a le coin pour la précision. Alors ici, on a une roulette neuve, avant l'usage. Et ici, on a une roulette explosée, avant. Et après, ça c'est sur un tournage de film qui s'est plus ou moins passé. Hein. Alors une armure buggy rolling, c'est composé de 6 éléments. On a des jambes, on a des bras qui s'enfilent comme ça. Donc là on a un ventre avec 3 roulettes. Ici on a une pièce de dos avec une roulette en bas, une ici, une épaule. Une roulette de fesses. Là, on a la protection d'épaule. J'aimerais développer plus d'armures qui soient de vrais personnages. À bientôt.